présente le Printemps d'Amandine 2018, qui est un rosé d'assemblage à base de grenache, mourvèdre et syrah. Donc, au nez. Un joli nez expressif sur des notes d'agrumes et de fleurs. Des fleurs, c'est pas des fleurs blanches, on est sur des fleurs plus roses. Donc la rose, le côté un petit peu légèrement pivoine. On a vraiment ce côté agrumes qui donne envie de goûter. La bouche est tendre. On a une jolie vivacité qui en fait une bouche assez rafraîchissante qui va coller parfaitement pour un apéritif. Et en même temps, on a cette richesse. On a vraiment un rosé. On sent la syrah, la rondeur du grenache, une petite note épicée de la syrah qui en font un rosé qui va également tenir la table. Et je vous encourage à sortir des habitudes du rosé apéro, tout le temps apéro, même si c'est facile et c'est bon. Mais essayez-le à table sur des carpaccio, sur des pastas un petit peu améliorés, sur des viandes blanches, des tartes de légumes. Vous allez voir, c'est un rosé, le Printemps d'Amandine, nos rosés, ce sont des rosés qui s'accordent à table, vraiment. Et c'est dommage de passer à côté parce qu'on a vraiment des accords super sympas et assez innovants finalement, alors qu'on se cantonne au rosé apéro et c'est dommage, même si l'apéro marchera très bien. Voilà, le Printemps d'Amandine, une jolie finale, toute gourmande, toute en douceur, avec une bouche assez vive. Le Printemps d'Amandine 2018, encore bien.